Attention, le scénario d'une élimination prématurée n'est pas à exclure aujourd'hui. Les 3 points semblent absolument indispensables à ce stade. On reste ensemble. Le Lucel Stadium est prêt, les tribunes sont pleines. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce match commence. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. On en est à la 2e journée de phase de groupe de cette Coupe du Monde. Et il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Leur situation reflète leur prestation. S'il n'y a pas de révolte, ils peuvent être éliminés dès la fin de ce 12e match. Alors voici la compo de départ. En théorie, on a donc ce 4-4-2 avec une pointe basse. Mais la théorie, c'est pas toujours ce qui arrive dans la pratique. Allez, on jette un coup d'œil sur la composition d'équipe. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Bien défendu, ça. Et le face-à-face à venir. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Et voilà un carton jaune pour sanctionner une faute commise au départ de l'action. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Ouais, c'est bien défendu sans commettre de faute. Gareth Bale. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Voilà, c'est joué court. Plus personne dans le but. Le ballon vient se loger dans les bras du gardien. Attention à cette passe. C'est reçu dans la course. Un ballon bien stoppé sur cette action.
Ce ballon est intercepté. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. La grosse opportunité, attention. Allez, cette intervention permet de stopper l'attaque. C'est récupéré. Le pressing pour empêcher la relance. Aaron Ramsey. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Pour marquer de cette distance, il faut s'appeler Omar Dafoussé. Oui, moi je l'ai placé dans la lucarne. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Son doublé au dernier match, c'est comme une injection de confiance. Oh, le ballon qui est perdu. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Aaron Ramsey. Énorme occasion pour prendre l'avantage. Bonne intervention du gardien. L'équipe tente une combinaison. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Et c'est perdu là le ballon et c'est donc repris par l'équipe adverse. Et voilà une bonne option de contre-attaque. À une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort, c'est vraiment dommage. Et le ballon part bien, excellente intervention. Et les adversaires pressent. Ouais, une bonne charge. Dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Quel bon centre, toujours dangereux dans la surface. Mais non, ce ballon est perdu. Ah, c'est une passe en profondeur, dangereuse mais bien interceptée. C'est un ballon de contre à jouer. Davis. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Mehdi reçoit le ballon. Et ce ballon est récupéré. Oui, c'est bien fait. C'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Sur le côté avec de l'espace. Bien vu la passe. Ah non, finalement c'est une bonne couverture de la défense. Et l'arbitre indique les 6 mètres. Voilà. Oh, c'est un bon ballon ça. Ouh, quelle parade. Mais de toute façon, le drapeau est élevé.
Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Ça y est, c'est la fin à l'instant de cette première période au Lucel Stadium. La deuxième mi-temps, c'est donc reparti dans ce match de poule du mondial. La passe était dangereuse, mais elle est interceptée. Bon ballon en profondeur. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. À une occasion de revenir au score avec ce corner. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Ça joue pour Gareth Bale. Superbe intervention, sans faute. À une position de hors-jeu signalée, c'était trop beau. Un peu de coaching avec ce changement. C'est une transmission bien coupée. Ah, c'est récupéré très haut ça. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Ah, la prise de balle est impeccable. Oh, ça peut aller au but. Face à face avec le gardien. Le danger est toujours présent. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Et le staff décide donc de faire un changement. Cornea. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Ah, c'est bien parti. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et au final, cette attaque s'arrête là. C'est un arrêt vraiment très important. Remonter de but, ça aurait été beaucoup plus difficile. Maintenant, l'égalisation est toujours envisageable. Mauvaise passe, et donc le ballon change de camp. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Et la frappe. Ah, la frappe est contrée. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement.
L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. C'est bien parti pour ce corner. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Oh, c'est bien défendu. Et l'arbitre indique le corner, il y a clairement la place pour marquer un autre but. Voilà, changement donc. Un corner qui est bien ajusté. Oh là 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 là! Mais quel geste! Ce ciseau, quel but fabuleux! La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré. Ça empêche la défense d'intervenir correctement. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Très bonne couverture du ballon. Et oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. L'ouverture en profondeur. Le ballon pour Mehdi. Et la frappe part bien. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Le ballon finit dans leurs pieds. Le ballon circule en attaque. Une grosse opportunité, attention! Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ah, le corner bien tiré. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Voilà, le ballon est récupéré. Ah, bien joué dans la profondeur. L'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Et le contre est possible maintenant. Ah non, hors-jeu signalé. Ballon pour Bale. Et bien fait, quelle ouverture! Ah, le ballon traîne, attention! Tranquille! Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive, c'est maintenant chose faite. C'est donc terminé le coup de sifflet final dans cette rencontre et ça se finit donc avec une victoire à la Milan. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité.